tout commence le 27 février 1996. À ce moment-là, tout va parfaitement bien pour toi. Tu mènes, avec ta petite de l'époque, une vie tranquille, simple et heureuse. Quelle vie palpitante. Malheureusement, au moment où tu pousses la porte, tu tombes littéralement sous le choc. Tu assistes, impuissant, à la pire des trahisons possibles. Au début, tu essaies de l'oublier. Tu te dis que ça passera avec le temps, que tu rencontreras une autre petite, que ce n'est qu'une étape à passer. Malheureusement, tu ne peux t'empêcher de l'espionner sur Facebook, sur Instagram. Tu la vois épanouie, heureuse. Oh, c'est fascinant à quel point je m'en bats la couille. Reconstruire aussi rapidement sa vie avec quelqu'un d'autre provoque en toi une rage ultime, mais aussi, et surtout, un profond désespoir. Si elle ne veut pas le comprendre, tu n'arriveras pas à l'en convaincre. 6 mois plus tard, ton médecin traitant te déclare une obésité morbide. Dans la foulée, tu n'en fais qu'une bouchée, préférant fuir la réalité plutôt que d'affronter le problème à sa source. Putain, mais mec, arrête la drogue. Là, ça devient grave. Mais très grave. Les débuts sont difficiles, tu sues, tu transpires, tu pleures, mais tu n'abandonnes pas. Les autres Pokémon qui te faisaient peur à ton arrivée finissent par devenir tes amis et ensemble, vous réussissez peu à peu à sortir la tête de l'eau. C'est totalement fou, mais c'est vrai. Tu engloutis des montagnes de salade, des litres d'eau de mer. Et une année plus tard, tu atteins finalement ton objectif. Non, tu crois, franchement. Mesurant 1m60 pour un poids de 85 kg, tu atteins enfin le niveau 36, te permettant ainsi d'évoluer en Tortank. Bien, c'était très drôle.